Alors pour nous, être présent ici, c'est d'abord toucher nos agriculteurs, parce que dans notre activité, nous avons un développement de l'amont agricole en ce qui concerne aussi bien l'oléicole, donc la partie olive, et la partie oléagineuse, puisque nous sommes agrégateurs au niveau de l'olive et agrégateurs au niveau du tournesol et du colza. La fédération Foléa, que nous présidons, est très très actif avec nos agriculteurs et c'est l'occasion lors de ce CIAM de rencontrer les agriculteurs et de leur présenter tout ce que nous avons à leur apporter, à savoir le transfert de technologie, le financement, les semences sélectionnées, enfin tous les apports que nous faisons. Pour nous, donc, le CIAM est un parfait endroit pour discuter avec la communauté de nos agriculteurs. Nous présentons quelques nouveautés ici au CIAM. Alors, sur la partie huile d'olive, nous présentons la gamme Domaine de Caléa, qui est une production bien entendu propre, dans nos propres fermes, aussi bien en traditionnel qu'en bio, puisque nous sommes certifiés bio en huile d'olive. Et nous avons lancé une marque destinée à l'export et notamment aux États-Unis. Pour la partie huile, nous présentons aussi la gamme Le Sieur Friture, qui est une gamme élaborée destinée à tous les professionnels de la friture. Et pour finir, on a un dernier produit sur la gamme, je dirais, corporelle, où nous avons lancé cette année le shampoing Taos, qui est en phase de lancement, qui pour nous est un produit aussi extrêmement intéressant. Alors, tous ces produits-là sont exposés dans le salon et au passage, nous présentons ici les trophées des 10 produits qui sont élus de l'année. Nous avons ici le plaisir cette année d'avoir été choisis par le consommateur marocain. 10 de nos produits ont été meilleurs produits de l'année. Nous avons acheté la société Indusalim en juillet 2017. Donc cette société qui est spécialisée dans la fabrication de la margarine a rejoint donc notre groupe. C'est une société historique dans le domaine de la margarine et qui commercialise deux marques phares connues par toutes les ménagères marocaines, que ce soit Magdor ou que ce soit Familia, dans la margarine de table. Et puis la marque Lda qui est dans la margarine pâtissière. C'est la première fois au CIAM que nous présentons cette gamme puisque Indusalim vient de rejoindre le groupe Le Sieur Cristal. Nous avons aussi des ambitions très importantes pour la margarine puisque nous comptons développer ce portefeuille, que ce soit au Maroc ou à l'international. Alors pour l'année 2018, notre objectif étant de continuer sur les axes principaux que nous avons déjà lancés depuis maintenant quelques années. D'abord, notre ancrage sur l'amont agricole. Pour nous, il est extrêmement important de continuer à œuvrer avec les agriculteurs marocains pour dynamiser la filière des oléagineux. Nous avons des ambitions très, très importantes pour produire nos graines oléagineuses au Maroc. Nous avons aussi comme ambition de continuer à améliorer la qualité de nos produits, à continuer à être le leader sur les gammes, que ce soit l'huile de table ou que ce soit le savon, et évidemment continuer à développer l'international qui est un des leviers principaux du développement.